Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, je vais essayer de me dépêcher. On est aujourd'hui chez Opel pour le car numéro 16 et on est dans la Opel Corsa. Alors on m'autorise à faire la vidéo mais sans dire de trucs négatifs sur la concession, sur le garage, pas de problème. Alors, je suis désolé, le siège est un petit peu... j'y touche pas parce qu'apparemment il est vendu. Donc voilà, on va essayer de rien salir du tout. On va commencer par le devant puisque voilà, j'y suis. Donc voici un petit peu la planche de bord, on est sur la finition édition. C'est la Corsa édition, je vous mets le lien dans la description pour aller voir la page d'Opel. Donc voilà un petit peu la planche de bord avec du laqué. Le problème du laqué, c'est beau, mais le problème c'est que ça va peut-être prendre les traces de doigts à force, mais ça se nettoie. Le système audio avec un grand écran ici qui est très bien d'ailleurs. Je peux pas vous l'allumer là, je vais encore une fois pas faire de conneries parce que c'est pas ma voiture. On a une boîte 5 plus marche arrière forcément. On a un intérieur assez noir mais finalement assez lumineux parce que les vitres sont pas trop petites. Alors le volant, alors je suis désolé, hein, je suis à peu près. Le volant qui est peut-être... non, il est bien, il est bien. J'allais dire, il est peut-être un peu grand. Puis il y a des grippes sur le côté, vous voyez, à 10h10, il y a des petits grippes ici. Volant avec des surpiqûres blanches. Alors les Komodo, moi ça m'a toujours fait un petit peu sourire, les Komodo de chez Opel. Ils font ce qu'ils veulent encore une fois, mais vous voyez un petit peu, c'est autre chose de ce qu'on voit tout le temps. Donc le tableau de bord, je vais essayer de rouvrir un peu la porte pour vous montrer. Il y a un écran central, vous voyez, voilà. Vous voyez un petit peu, donc c'est une diesel parce que le compteur va jusqu'à 6000 tours. Donc vous voyez, tout s'allume un petit peu, vous voyez un petit peu la planche de bord quand elle est éclairée. Je suis en train de me demander si les phares seraient pas allumés, enfin bon. Alors le système audio, je sais pas trop à quelle marque que c'est, mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a le caisson de basse ici, il est dans la planche de bord. Et d'ailleurs la planche de bord, bah écoutez, c'est comme les voitures d'aujourd'hui, c'est que c'est assez... ça part vachement vers le carreau là-bas au bout, mais finalement ça va. C'est moi, je vais vous dire, je pourrais très bien conduire cette voiture. Alors un truc qu'on voit fort dans les monospaces, c'est ça, c'est la petite vitre devant qui revient là, souvent cause d'impact finalement. Et puis bah sinon voilà, je veux dire tout va bien. Donc je vous rappelle, c'est la finition édition de l'Opel Corsa. Petite boîte à gants comme d'habitude. Oh, c'est smooth, d'ailleurs. C'est smooth avec la petite boîte à gants. Il n'y a pas d'éclairage. C'est pas grave. Donc voilà un petit peu. Alors les sièges à l'arrière, hop là, voilà, je vous montre un petit peu. On ira faire un tour à l'arrière après. Voilà, la place passager, pas de problème. Il y a des petits rangements, on a un USB, on voit rien, désolé. On a un USB ici, on a l'allume-cigare juste à côté, voilà. Là, juste à côté. Un petit rangement là, ici en dessous, il y a du cuir sur le levier de frein à main. Enfin voilà, la finition est pas mal. Même au niveau ici des raccords entre le plastique et le tissu, les finitions sont bien faites. Donc c'est un bon point. Plastique moussé? Oui, plastique moussé. Bah oui, hein. Touch qualität. Voilà, plastique moussé. Ah, plastique un peu plus dur ici peut-être, mais bon. C'est pas forcément grave. C'est du dur aussi ici. Donc on va aller, hop là, on va fisser, aller faire un petit tour à l'arrière, sans déranger personne. Voilà. Alors, je vous disais, le siège ici, en fait, il est fort avancé. Hein. Donc en fait, s'il serait reculé pour ma taille, je pense qu'on aurait encore à peu près ça au genou, mais je peux facilement, en fait, les joindre, parce que de toute façon, les sièges sont creusés. Donc voilà un petit peu l'espace arrière de l'Opel Corsa, avec la planche de bord un petit peu entière, voilà. Tac, bah écoutez, c'est plus représentatif, je vais essayer de passer de l'autre côté, on verra un peu mieux pour l'espace aux jambes, hop, j'ai pas mes chaussures sales. Mais voilà, je peux joindre mes genoux, j'ai encore un peu d'espace. Les assises sont... ouais, les assises sont un peu peut-être... enfin, c'est vrai que c'est toujours un peu ferme, en fait c'est de la mousse à l'intérieur, mais pour faire peut-être 100 km, pour faire une centaine de kilomètres, on va dire que ça pourrait passer, hein. On pourrait facilement faire les 100 km. Les fameux repose-têtes que je pourrais jamais saquer, parce qu'en fait quand ils sont descendus vraiment en bas, bah, vous prenez la colonne vertébrale dessus. Mais bon, ça c'est, hein, il n'y a qu'à les relever, hein, il n'y a pas de problème. C'est le riz de tissu, hein, comme je disais, dans cette Corsa édition. Elle n'est pas dégueulasse, c'est bien. On a le petite fixation ISOFIX ici.
pour mettre un siège bébé. Puis ma foi, bah écoutez, alors on a des vitres manuelles sur cette finition édition à l'arrière, et à l'avant c'est des vitres électriques, hein, si je ne m'abuse. Bah oui, c'est des vitres électriques, heureusement. Voilà, on a les petites lampes, comme d'habitude, ici, pour, si vous voulez vous amuser, voilà, hop. Je viens de vider la batterie de la voiture, c'est magnifique. Donc, je vous rappelle, si vous voulez savoir le prix de cet Opel Corsa, je vous ai mis en description le lien vers la page de l'Opel Corsa édition, sur le site d'Opel. Donc vous avez qu'à aller voir, et vous allez voir toutes les options qu'elle a, parce que les détailler comme ça... c'est un peu chaud. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les jantes alu. C'est ça qui est bien. Alors, je vais essayer de vous montrer le coffre. Pareil, je vais vous mettre la capacité du coffre. La voici, parce que je l'ai pas de tête. Donc, faites-vous votre opinion sur le coffre. C'est un coffre de voiture assez petite, encore une fois. Je vais essayer de vous montrer le coffre. Les mecs de chez Opel sont là, ils vont dire, putain, il faut quoi. Bon, je vais essayer de le faire, mais sans parler trop fort, tu vois. Accroche ici, je sais pas quoi ça sert, c'est pas grave. Donc là un peu le coffre, il y a des fixations ici peut-être pour ouais voilà, c'est pour mettre quand vous mettez le siège bébé, peut-être pour harnasser quelque chose. Je vais éviter de tout démonter, ça sert pas. Alors on a quand même une bordure ici au niveau du coffre qui est toujours assez prononcée sur les voitures, mais bon, il faut s'y faire, c'est tout. Donc vous avez vu la contenance du coffre. Je pense qu'on peut mettre un plancher plat, parce que vous voyez il y a les il y a les machins ici, je pense que vous le remontez de là en bas. Vous le remontez de là en bas, puis vous le mettez là. Et vous avez un plancher plat. Voilà. Donc voilà grosso merdo. Un petit peu. La lampe est là, c'est bizarre. Mais elle est là, elle est là. Bon. Fais-toi la main. Ouais. Ouais, c'est le roi des cons. Le roi des cons, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, c'est pas grave. Le roi des cons, c'est pas Macron. Donc voilà pour cette Opel Corsa édition. Je vous rappelle que j'ai mis le lien de la page de l'Opel Corsa dans la description pour que vous alliez voir toutes les options disponibles sur cette Opel Corsa édition. Je remercie bien sûr, comme d'habitude, la concession Lemoine de... Longnes, Saint-Omer, je sais jamais. Enfin, je leur remercie de leur accueil. Hein, j'ai pas été agressé, rien du tout. Donc ça a été. J'ai pas dit de mal sur la concession. Et puis ma foi, je trouve que la Opel, finalement, pour terminer, c'est des voitures. Elles sont pas mal. Genre, tu vois, si tu veux démarrer, si t'es un jeune permis, tu peux prendre une Corsa, y a pas de problème. C'est une bonne voiture. Voilà. Bref. Bon bah, je fais pas plus long. Ça sert à que dalle. Hein, voilà. Prochain épisode de Carrette, ça sera le 17 et. Et eh ben surprise, bonne surprise, parce que j'étais en train de réfléchir s'il n'y avait pas quelque chose de spécial à fêter, mais non. Donc bah voilà. Mais donc prochain épisode, eh bien vous verrez ça. Stay tuned, comme ils disent en Amérique là. Restez connectés à la page Facebook de Carrette, encore une fois, tout est dans la description. En attendant, moi je vous laisse, je me les gèle un petit peu, je vais rentrer chez moi, c'est l'hiver, il fait froid. C'était Rémi, à la prochaine, peace. Voilà.